Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors bien sûr, aujourd'hui ça sera sans Nolan, comme vous pouvez vous rendre compte. On est, comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire le point sur une boîte de 206. Alors je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois, enfin dans les deux dernières vidéos, peut-être les trois dernières, il y avait une boîte en restauration en arrière-plan. Donc je ne voulais pas vous refaire un tuto dessus parce que c'était tout simplement le remplacement des romans d'art primaire. Par contre, on m'a déposé une boîte qui a un problème. Alors j'arrive à un moment à le tourner, mais là je peux vraiment plus le tourner. C'est-à-dire que on n'a plus de rotation au niveau de l'arbre primaire. Donc il y a sûrement quelque chose qui a cassé à l'intérieur. Donc le but de cette vidéo d'aujourd'hui, ça va vous faire, on va faire le démontage ensemble et on va faire le point sur la réparation. Voilà. Et on va voir ensemble bien sûr si c'est ça vaut le coup de le refaire ou si ça vaut pas le coup et garder à ce moment-là cette boîte-là pour comme donneuse. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle a. Donc on va faire son ouverture tout de suite après ensemble. J'en profiterai aussi pour faire mes points de relevé de cote pour réaliser l'outil PSA que je vous ai dit qu'on fera en impression 3D sur la chaîne. Donc voilà, ça va être vraiment un petit outil où on viendra insérer le joint-suit dessus et en 2-3 coups de marteau, il sera positionné à son emplacement avec sa cote d'entrée. Si là on peut se rendre compte qu'elle est juste à fleur, normalement faut rentrer un peu plus le joint-suit, on doit être à 0,8. Voilà. Donc voilà. Sans plus attendre, je me change, je me mets en toile bleue et on va faire l'ouverture de la boîte et faire le point dessus. C'est parti. Donc voilà, c'est parti pour l'ouverture de la boîte, tout simplement. Donc on retire les trois vis supérieures de la cloche en fer. Voilà, c'est du 13, hein, une petite boule de 13, et ça va super bien. Voilà, donc c'est pas collé, c'est juste c'est le joint qui fait l'étanchéité du couvercle. Donc au moment de la dépose du couvercle, on se rend tout de suite compte que j'ai des petits fragments qui se baladent un peu partout. Alors à ce niveau-là, je ne pensais pas. Je pensais vraiment qu'on allait les retrouver au cœur de la boîte. Et tout de suite, à la dépose du premier carter, au niveau de la cinquième, on a déjà des petits éclats de. Ah, je saurais par la suite que c'est le roulement. Donc c'est notre roulement de cinquième qui a lâché. Donc ça, je m'en rends pas compte tout de suite, mais. Après la dépose du synchro, on va le voir tout de suite qu'il y a du jeu, qui c'est pas normal. Donc là, je retire le circlips. Donc là, pour l'instant, c'est un circlips avec deux oreilles. Donc c'est une pince à circlips, ça va tout seul. On va retirer par la même occasion tout de suite la petite goupille qui maintient la fourchette pour pouvoir sortir le synchro. Alors d'habitude, j'enlève le clips et le petit jonc de l'arbre primaire. Mais là, bon, j'ai voulu tout de suite enlever. Le synchro, je pensais vraiment que c'était des éléments de synchro qui étaient partis dans la partie supérieure. Mais vraiment, je pensais pas que les dégâts de la boîte à vitesse étaient aussi importants. Donc, je pensais vraiment que c'était le synchro de cinquième. Donc là, je le démonte et je me rends compte qu'au final, c'est pas lui. Tous les éléments sont à leur place. Bon, je me rends bien compte que c'est vraiment sale, qu'on a déjà des résidus de limaille un peu partout. Qui a aussi, je vais voir tout de suite après que les dents de la couronne sont abîmées aussi. Voilà, donc je retrouve encore des éléments. Donc pour moi, à la base, ça vient de la partie inférieure et que c'est remonté par les passages d'huile. Mais c'est après la dépose de notre pignon ici denté qu'on va se rendre compte que c'est le roulement qui a explosé. Voilà, donc le jonc qui est un peu plus pénible à retirer. Alors c'est pareil, quand vous faites de la rectification de boîte, je vous conseille d'avoir ce petit jonc en remplacement en neuf, parce que j'ai déjà été embêté plusieurs fois pour le remettre en place quand il a déjà servi. Donc là ça va, je l'ai réussi à l'avoir sans qu'il se déforme, et parfois quand vous le retirez, il se déforme, et pour le remettre en place, c'est un peu pénible. Voilà, donc là, rondelle à curvée, et là on va retirer ce fameux pignon, et là je me rends compte déjà que on a du jeu au niveau du roulement. Voilà, donc pour l'extraire, bon ça va, c'est vite, il suffit juste de faire un petit levier, puis il se retire facilement. Voilà, c'est pas monté en force. Et là, je me rends compte des dégâts. Donc c'est celui-là qui est beaucoup plus marqué. Alors, on commence déjà à avoir des déformations et des impacts. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte sur la caméra, mais bon. Voilà, puis on sent au passage du doigt qu'il y a eu des éclats.
Voilà, donc là je me rends compte que c'est l'ombre tout simplement qui a explosé. Alors il y a même la partie supérieure où le clips de verrouillage du roulement qui vient se loger dans le roulement, bah, il est carrément décaloté. Donc il manque toute la partie supérieure du roulement. Donc là je retire forcément les fameuses plaques d'arrêt. Alors c'est des vis qui sont assez pénibles à retirer. Si vous avez la possibilité de faire un petit point de chauffe avec un petit chalumeau ou tout autre, je vous le conseille parce que voilà, c'est des vis qui sont montées au frein filet et la tête elle foire vite et du coup on se retrouve bloqué avec ces vis en place. Donc la seule solution qui reste c'est le marteau et le burin. Bon, là j'ai réussi à les avoir parce que j'ai des bons emprunts torx et du coup bon, ça facilite quand même la chose d'avoir du bon matériel. Donc voilà, là je me rends compte qu'il n'y a plus de billes, il n'y a plus de roulement, il n'y a vraiment plus rien. Donc j'extrais le deuxième arrêt de roulement. Voilà, donc je vous montre pas en détail, mais c'est des genres de grands clips qui viennent se loger au niveau du roulement pour pas que le roulement descende et qui permet aussi d'avoir les deux arbres qui sont maintenus par la cloche supérieure. Donc là, je retire le capteur de marche arrière. Voilà, c'est pour avoir plus de facilité au niveau de l'extraction de la cloche. Voilà, parce que sinon, on a le capteur marche arrière qui est posé sur l'axe. Sur l'axe des fourchettes et parfois ça peut être gênant au moment de retirer la cloche. Donc je fais le tour de boîte, toujours pareil, on est sur du 13. Voilà, je fais ça assez rapidement. Donc moi la boîte elle m'est arrivée sans le support, le câble d'embrayage, tout ça. Sinon vous avez aussi le support de câble d'embrayage qui est maintenu par les deux écrous là qu'on peut voir face à nous. Enfin, tout ça, ça a été démonté par le propriétaire de la boîte. Voilà, c'est là qu'on voit la différence aussi, c'est au niveau entre une boîte de 207 et une boîte de 206. Ben voilà, c'est au niveau du levier d'embrayage, le commande d'embrayage que on peut voir ici. Ben voilà, c'est un câble, donc forcément il y a le support aussi qu'on retrouvera pas sur la boîte de 207, qui lui est commandé par hydraulique. Donc voilà, j'ai fini le tour de boîte, je décolle la cloche. Alors un peu eu de mal à cause du roulement explosé tout en haut. Si le roulement a laissé des traces au niveau du carter supérieur, voilà, c'est-à-dire qu'on ne pourra même pas remettre ce carter supérieur-là si on devrait refaire la boîte. Voilà, au moment du contrôle, je me rends vite compte que on a de la limaille partout, partout, partout. On dirait même que la boîte elle a tourné sans huile tellement la limaille elle est séchée, elle est collée partout. Jusque dans le pignon de marche arrière, voilà, au niveau du roulement aiguille, la limaille elle est passée là et donc ça fait que même les cages à aiguille sont pleines de limaille. Donc là, je vais vous faire voir avec le tournevis que ce que je relève du différentiel. Alors c'est vraiment une pâte limaille huile séchée, donc une genre de pâte à roder qui s'est installée au niveau du différentiel pour vous dire le broyage qu'il y a dû avoir au niveau du roulement et puis les roulements est descendu dans la partie de pignonnerie puis a été broyé par tous les pignons. Donc je pense que ça a dû durer un certain temps avant que ils pensent à remplacer la boîte. Voilà, donc là je retire tout le système qui sert à passer les vitesses, donc le levier. Donc la fameuse goupille qui est assez pénible, donc si vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur cette boîte, c'est vraiment la partie la plus chiante à faire, c'est de retirer cette goupille, puis à la remettre quand vous remontez l'ensemble. Et voilà, on n'a pas le choix, on ne peut pas retirer la pignonnerie si on n'enlève pas ce levier. Voilà, même là, il y a de la limaille qui est passée, qui s'est mise entre l'axe et le support de tringlerie. Donc voilà, donc là on retire tout ce qui sert à passer les vitesses. Je vais pouvoir décoller la pignonnerie. Donc là ça va assez bien, on sent bien que de toute manière il y a eu du jeu partout. Donc les roulements ne tiennent plus en place. Donc, résultat, boîte HS. Donc voilà, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est une petite vidéo rapide. Alors on va pas s'arrêter sur ça, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. Donc comme vous avez pu vous rendre compte, dès l'ouverture du couvercle en fer, on s'aperçoit tout de suite qu'on a des morceaux de roulement, enfin des fragments de roulement. Alors c'est la première fois qu'un roulement d'arme primaire lâche côté cinquième.
Donc d'habitude, c'est toujours celui côté dit buté qui lâche en premier. Alors pour moi, c'est une première. Pourtant, ce n'est pas la première boîte que j'ouvre en Alicat AGI. Alors pour moi, ça fait déjà quand même un moment que le roulement était défectueux. Donc soit la personne est sourde, soit elle ne pouvait pas faire le remplacement du roulement dès que ça s'est produit. Voilà, si je pense que même au niveau de la vidange de l'huile de boîte, ça a dû être de la limaille, des morceaux, des fragments. Ben, je pense qu'ils ont dû s'en rendre compte quand même à un moment ou à un autre pour en arriver à ce stade-là. Voilà. Donc, refaisable, pour moi, non. Alors, pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que, vu la détérioration du roulement, les fragments qu'on a retrouvés jusque dans le différentiel, c'est-à-dire que les fragments ne sont pas restés que dans la partie cinquième, ou dans la cloche en fer qu'on peut avoir vraiment sur la partie supérieure, tout a été transféré dans l'étage inférieur, où qu'on a la pignonnerie, tout ça, et ça a descendu jusqu'au différentiel, ou alors là, ça s'est collé dans la paroi. Ça a même, alors je ne vous ai pas fait voir dans la vidéo, mais ça a même déformé au niveau de l'emplacement du roulement dans le carter. Voilà, c'est-à-dire que même le carter supérieur, on ne peut pas le récupérer. Alors vous allez me dire, bon ben voilà, on prend, on jette. Alors si votre but c'était juste de voir refaire la boîte à vitesse et que vous vous rendez compte que vous allez la remplacer, bon ben voilà, vous l'achetez. Par contre, si vous êtes comme moi dans l'optique de refaire des boîtes régulièrement, comme vous avez pu vous rendre compte sur toutes les vidéos que j'ai faites, voilà. Malgré que je ne remonterai pas cette pignonnerie-là, ça c'est une pignonnerie-là, même jusque là primaire, pourtant on n'a rien, mais il y a quand même des impacts et des poussières qui se sont mis un petit peu partout dans les synchros. Donc c'est des éléments que je remettrai jamais dans une autre boîte. Voilà. Mais on a quand même des parties qu'on peut récupérer. Si vous faites de la restauration de boîte à vitesse, alors comme vous pouvez vous rendre compte, moi j'ai déjà des éléments qui font pas partie de cette boîte-là, mais que je récupère. Donc ça va être ici. Tous les loquets les linguets, pardon, de synchro, voilà, qui sont en général mis en place avec ces petits ressorts. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais les petits ressorts et les petits, on dirait les petits poussoirs, voilà, qui sont à l'intérieur des synchros. Alors pourquoi? Ben, c'est tout simplement, il y a des moments quand on démonte l'arbre secondaire et qu'on sort le roulement, qu'on sort le synchro. Le fait de lever le synchro, parfois, ben, on n'a pas l'ensemble complet, on a le synchro qui vient et les ressorts et les billes qui s'en vont dans tous les sens. Alors, ça m'a déjà arrivé. Donc, du coup, ben, de toute manière, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Sur le pignon de cinquième, alors, vous voyez, j'ai le pignon cinquième qui est sorti complètement. Mais si on ne fait pas attention, quand on le retire, on peut vite avoir. Voilà. Ben, on peut vite avoir ben, tous les éléments qui viennent. Et qui part dans tous les sens. Voilà, comme vous pouvez vous rendre compte ici, j'ai un ressort, j'ai une bille et j'ai le lag. Voilà, j'ai fait tomber une bille, malgré j'ai fait attention, et un ressort. Voilà. Donc quand vous êtes dans un local qui est assez propre, ça va, vous avez des chances de récupérer vos pièces. Mais comme ici à l'atelier, il y a du béton, il y a des cailloux, il y a tout, ben voilà, vous avez vite perdu vos petits ressorts et vos petites billes. Donc je vous conseille, bah c'est comme moi, quand vous avez l'occasion, comme ici, de récupérer une boîte qui va aller destinée à la ferraille, bah c'est de récupérer tous ces petits lags là, enfin les lags et les ressorts et ces petites billes. Voilà, enfin, voilà, vous avez compris tout ce qui concerne bah, un synchro en règle générale. Voilà, j'ai encore fait tomber un lag et je le ramasserai après. Ensuite, si vous n'êtes pas dans une boîte qui a autant de dégâts qu'ici, vous pouvez aussi récupérer bah, tout ce qui est synchro, tout ce qui est pignonnerie. À vous de voir si vous avez la possibilité de stocker. Ou si vous avez la possibilité tout simplement de mettre ça de côté en attendant qu'un jour vous refaites une boîte. Voilà. Ici, ce qui sera encore récupérable, ce sont les axes, les fourchettes. Voilà. À condition qu'ils ne soient pas fissurés, qu'ils n'ont pas eu d'impact. Mais ici, ce n'est pas le cas. On va pouvoir récupérer aussi tout ce qui est éléments de construction. Donc, je vais penser au levier, aux différents axes, aux différents ressorts. Voilà, le capteur, la visserie, tout ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer et stocker. Voilà, il ne faut pas forcément beaucoup de place. Bon, la visserie, en général, moi, je ne la stocke pas. Si je refais une boîte, je vais surtout garder tout ce qui est petit accessoire. Alors, ce que je vous invite aussi à récupérer, alors, je ne sais pas si j'en ai démonté, voilà, si j'en ai un, c'est ces quarts de lune. Alors, dans les vidéos, vous avez vu que j'ai démonté plusieurs fois. Alors, c'est ce qui verrouille les différents étage de synchro avec les roulements. Voilà, vous en avez plus ou moins 4 ou 5 sur
tout l'ensemble de l'arbre secondaire. Et il s'avère que parfois, bah, entre les synchros, ils sont cassés. Donc quand vous démontez tous les différents pignons, donc à un moment, vous vous retrouvez avec cette épingle-là qui est cassée. Voilà. Donc c'est bien d'en avoir d'avance. Donc là, moi, sur cet ensemble d'arbres secondaires, je vais les récupérer tous et les mettre de côté. Voilà. C'est pareil là, on ne va pas récupérer le pignon de marche arrière, mais par contre, je vais récupérer son axe. Voilà, ça peut être toujours utile. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes un nouveau abonné, vous avez la possibilité de retourner sur une ancienne vidéo que j'ai fait sur la remise en état complète d'une boîte Alicat HDI, où on a vu vraiment le démontage de l'arbre secondaire, le remplacement de tous les roulements, aussi bien différentiels que arbre secondaire, arbre primaire. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude, où je vous mettrai ici en haut à gauche, au niveau de la barre d'information, le lien direct pour aller voir la vidéo si vous voulez vraiment voir en détail ce type de boîte remise en état. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu quand même. On se retrouve très prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.